Bonjour. Pourquoi vous prenez des images? Vous savez que le droit à l'image existe et qu'on peut porter plainte? Ou avoir votre identité, monsieur? Salut, c'est GW et comme vous l'avez deviné, on va parler de vos droits et de vos devoirs lorsque vous photographiez des gens dans la rue. Car comme vous l'avez constaté dans l'intro, certains dépositaires de l'autorité publique ne connaissent pas bien la loi. Donc, pour éviter de longues discussions et des problèmes, voici ce qu'il faut savoir quand vous utilisez votre appareil photo dans un espace public. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette photo pour que cela soit plus simple à comprendre. À côté de chez moi, il y a cette très jolie station de métro dessinée au début du XXe siècle par Hector Guimard. Un soir, en sortant du métro, armé de mon appareil, je me suis calé en bas des escaliers en attendant des passants. J'avais une idée très précise de ce que je voulais, c'est-à-dire avoir le poteau avec l'enseigne du métro très graphique et quelqu'un qui passe à côté. Appuyé contre la rampe, j'ai pris une première photo, une seconde, puis une troisième. Et là, la personne présente sur le cliché est apparue. J'ai cadré comme je le souhaitais et la photo était dans la boîte. Mais au moment où la dame est passée à côté de moi, elle m'a dit que je n'avais pas le droit de la prendre en photo, qu'elle connaissait ses droits, qu'elle allait contacter son avocat, et elle m'a même menacé d'appeler la police si je n'effaçais pas le cliché. Alors, à votre avis, cette personne avait-elle raison ou pas? Elle pensait sûrement être dans son bon droit, puisque si on se réfère à la page « Droit à l'image » du site service-public.fr, on apprend qu'il est nécessaire d'avoir votre accord écrit pour utiliser votre image. Sauf qu'il s'agit d'une autorisation pour diffuser, publier, reproduire ou commercialiser le cliché. Tant que la photo reste sur votre carte mémoire, il n'y a aucun problème. Mais alors, pourquoi est-il possible de publier sur Instagram sans autorisation écrite? Tout simplement car service-public.fr précise que, dans le cas d'une image prise dans un lieu public, l'autorisation de la personne photographiée est nécessaire uniquement si elle est isolée et reconnaissable. Ce qui est le cas sur ma photo. Pour résumer, il n'y a aucune loi française qui interdise de prendre des gens en photo dans la rue. Sinon, les prisons françaises seraient remplies de millions de touristes. D'ailleurs, si vous voulez voir d'autres photos avec des gens dessus, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Le droit à l'image, en revanche, s'applique lorsque vous publiez une photo sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là que vous pouvez vous poser la question de savoir si, oui ou non, vous êtes dans la légalité. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo.